What's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, c'est en spec, en immersion. On va essayer de faire pec épaule triceps. Pas faire une séance trop longue parce que juste après, j'ai entraînement de foutuesse, tu vois. On va juste essayer de mettre un peu d'intensité, un peu de charge, se faire mal. Et avoir un maximum de congestion. Là, au niveau conditions physiques, franchement, je suis bien. Je suis bien, je me sens bien. Il faut dire aussi que je mange équilibré quasiment tous les jours, ouais. Quasiment tous les jours avec mon taf. Parce que là, je te cache rien, hein. Je bosse à Ikea, tu vois. Je bosse à Ikea et on a une cantine. Tu vois, le restaurant Ikea, ben on a ça pour les employés. Et on mange bien, on mange super bien. Vraiment. Et du coup, je mange des légumes tous les jours. Là, je commence à prendre que de l'eau. Parce que tu vois, ils ont des boissons, ils ont du coca et tout, là. Enfin, du coca de chez eux. Avant, je prenais ça, j'étais content. Maintenant, je prends que de l'eau. Et je le sens sur mon physique. Je prends des desserts avec du sucre et tout. Des tartes et tout. On va faire ça progressivement, tu vois. Pour l'instant, on arrête l'eau. Et après, on arrêtera les desserts sucrés. Un petit échauffement. Échauffement des biceps. Échauffement des avant-bras. Parce que je sais pas si je pourrais soulever lourd aujourd'hui. Je vois. Il y a 2 jours, j'ai fait deux biceps. J'ai fait une séance hard. Je voulais te filmer, hein. Mais vas-y, je suis arrivé à 17h. Il y avait du monde. Du fou ici, là. Je pouvais rien faire. Mais j'ai quand même fait une séance hard. Et là, je vais voir ce que je peux faire. Sinon, j'espère que tu vas bien, toi. Que tu fais les choses bien. Que tu progresses dans ce que tu fais. Normalement, je vais faire une vidéo où je parle des coachings que je vais faire. Je pense que ça sortira après ça. Ça sortira après cette séance-là. Je pense. Si c'est pas déjà sorti. Bon. On va commencer par des élévations latérales. Je vais faire 3 fois 30 reps tranquillement. Histoire de bien chauffer mes épaules. Parce que quand je bosse mes pecs. Tu vois, les épaules, elles sont très sollicitées et j'aime bien les échauffer avant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok. Je mets un peu de vitesse pour être bien. Je suis pas là pour faire la congestion, bloquer 2 secondes ou aller doucement. Je suis là pour être bien échauffé et être prêt pour envoyer du lourd après. Si je m'échauffe lentement, ça va être dur après. Ça va être très très dur. Allez, c'est parti, on va envoyer encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok. Je suis désolé si je renifle un peu. Je pense que j'ai attrapé froid. Après, en même temps, ici, là, c'est incroyable. Ici, il fait froid. Saint-Étienne, il fait froid, les gars. Il y a la montagne derrière, il fait froid. Ça commence, tu vois.
Mais ça va pas nous arrêter. On va continuer à s'entraîner, continuer à faire les choses bien. Parce que c'est important. Je voulais faire les pompes que je faisais avant là. Tu te rappelles les pompes sur le banc que je faisais à Honner? Je pense que je vais faire ça après. Je pense que je vais faire ça. J'aime trop cet exo. Ça me congestionne bien. J'ai l'impression le milieu, le haut des pecs. Mais je pense que je vais le faire. Tout dépend en fait la manière de le faire. En prise neutre, pompe en prise neutre, sur banc, c'est une dinguerie. Vraiment. Wow, j'ai mué, c'est incroyable. Vraiment. J'ai mué de la voix. Putain, allez. 1, 2, 3, 4, allez. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aujourd'hui, je prends pas de pré-workout. Je l'ai pris dans mon sac, je voulais en prendre, mais le problème, c'est que il est quelle heure là? Il est 14h. À 19h, j'ai entraînement. J'ai peur que si je prends mon pré-workout là, quand il va redescendre, et ben je vais aller à l'entraînement. Tu vois? Alors que quand le pré-workout il redescend, c'est fini. Enfin. Et je peux pas le prendre ce soir parce que demain je travaille. Tu vois? Si je prends ce soir, je vais pas dormir. Avant, je rêvais à dormir avec des pré-workouts parce que j'étais habitué. Là, c'est mort, là. C'est mort, je suis pas habitué des pré-workouts. Se dire, là, j'en prends, là, je vais danser la nuit, c'est fini. Bon. Exercice 2. Pompe. C'est parti. Pompe sur banc. Ce que j'aime bien faire. Petite descendre. Hop. Une, deux. Une. Une, deux. Deux. Une, deux. Trois. Une. 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10. Ok. On va se le faire que deux fois. J'ai une petite douleur à l'avant de l'épaule droite. Je suis pas trop forcé. Chercher plus loin dans la prise neutre parce que si je suis trop devant là c'est que l'avant des épaules qui tape. Faut vraiment chercher à côté, tu vois, c'est important. C'est pour ça que tout ce qui est pompe serrée et tout j'aime plus trop. Avant j'aimais bien mais j'aime plus trop parce que plus je serre les mains quand je fais des pompes, plus mes épaules y prennent. Comme mes épaules elles sont très volumineuses par rapport à mes pecs, bah mes épaules les prennent en priorité, tu vois, ça c'est pas bon. C'est parti. Une, deux, une. Une, deux, deux. Une, deux, trois. Une, deux, quatre. Une, deux, cinq. Une, deux, six. Une, deux, sept. Une, deux, huit. Allez. Une, deux. 9, 1, 2, 10. Ok. Bon. J'avais 6 kilos pour faire les élévations latérales. On va commencer par du développé couché, hein, tranquillement. Là, comme j'ai pas envie de faire une échelle, j'ai envie de se soulever lourd. Je commence à 20. 20 échauffements, 30 échauffements. Je vais voir comment je me comporte. Et soit on va faire des séries à 40 ou 44 en série de travail. Ou si je suis vraiment OP, bah je fais 3 séries à 50 ou 4 séries à 50 kilos. On va voir. 4 séries de 8 répétitions. Là, j'ai ramené les 20 kilos. Tranquillement. Je m'échauffe avant encore un peu les pecs. Parce que c'est important. Sachant que je commence directement avec une charge qui est pas légère. Hein. 20 kilos, c'est lourd, les gars. 20 kilos, c'est lourd. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font 50, 40
Et tout que 20 kilos c'est léger. 20 kilos, ça commence à être sérieux. Je me chauffe juste un tout petit peu pour préparer mon corps au combat. J'ai une Elastic My Protein, mais honnêtement, tu peux prendre n'importe laquelle. N'importe quel élastique fait l'affaire. Et ma tenue, c'est une tenue My Protein, c'est la tenue du Power Ranger bleu, comme je l'appelle. Elle est incroyable. En dessous, on a un débardeur. On verra si on l'enlèvera. UREP, c'est l'échauffement. Tranquille. On y va. Normalement, ça peut le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ça va, on est bien. On est bien. Pour l'instant, on va monter tranquillement. On va passer à 30. Et puis voilà. Je te cache pas, je le sens bien pour les 50. Je le sens bien là. Je sens que j'ai un peu mal avec mes séances que j'ai faites. Mais je me sens bien pour les 50, vraiment. Allez, 30. J'ai pas trouvé les 30. 34, c'est bien. Je les fais rouler à partir de 30 kilos. Les pas, je les fais rouler. Je les porte plus. Sinon, ça me fatigue et ça va niquer ma séance, tu vois. J'ai pas envie. 8 aussi. J'ai pas bien récupéré encore, mais... Pour moi, pour mon niveau, on reste sur du léger, donc je peux repartir. Même si que là, 30, enfin pour moi, 20, c'est une charge lourde. Ça commence à être lourd, mais 30, là on commence vraiment à rentrer dans le sérieux. Parce que le 30, c'est un palier où difficile à atteindre déjà quand tu es débutant en musculation. Quand tu les atteins, tu es content. Mais faut savoir que 30, c'est lourd. C'est très lourd, ok? Allez. Donc faut être concentré. Et là, séance sans musique. Et oui, quand je fais ma séance de biceps, je me sens très de la musique. Et donc c'est vrai que je me sens encore plus dur, encore plus lourd. Je me sens encore plus mal et là je sens les courbatures, vraiment. Donc là je m'entraîne sur des courbatures. C'est pas néfaste pour ta progression. Mais c'est chiant parce qu'il faut bien s'échauffer pour qu'elle parte pendant ta séance. Allez, c'est parti. 8. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8. C'est encore l'échauffement, je te rappelle. C'est encore l'échauffement. Je sais de passer à 50 directement. Là, je sens que je suis chaud. Je sens que je suis bon. Je suis dans un bon truc là. Faire 40. Pas nécessaire. J'ai encore m'échauffé que ça. Et je vais passer à l'entraînement réel. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ok. C'est parti. On va chercher les 50, allez. Je vais faire les choses bien. Oh. Je vais faire les choses bien. Commence la séance. On va essayer de faire 4 fois 8 reps.
Si j'arrive pas, 3 fois 8 reps. Si j'arrive pas, on baisse les charges. Mais normalement, ça doit aller. 50, pour moi, c'est une charge de travail maîtrisée. Sachant que c'est les 50 de Basic Fit. Des poids, ils sont pas calibrés. Des poids, si. SIDEA. Ok. Si je le dis, je sais pas si je serai démonétisé ou pas. Mais voilà, SIDEA, cette marque-là. Je sais pas comment on dit. Puis voilà, on va commencer la première série tranquillement. Normalement, ça va le faire. Et les gars, très important, normalement, pas besoin de crier. C'est les 50. On n'est pas des gens qui vont attirer l'attention de tout le monde. Hein. On est des gens calmes et humbles. Donc, on va faire ça calmement. C'est parti. Première série. Ouf. Par contre, là, je les sens. Ah, je les sens. Je les sens vraiment. C'est pas léger. Hein. C'est pas calibré, mais c'est pas léger quand même. Allez, on y va. C'est parti. Ouf. Et... 5, 6, 7, 8, 9. C'est lourd. Je le sens, c'est lourd. Presque fini ma gourde, je l'ai remplie, j'ai presque fini déjà. Alors que je suis au début de la séance, c'est incroyable. Je vais prendre entre 2,30 et 3 minutes de repos. Là, je reste assez focus. Rester dans mon monde, tu vois. Il y a des sens. Je peux parler, je peux rigoler. Là, j'ai pas envie. Là, j'ai envie de faire les choses bien. J'ai envie de tout fumer. Donc, voilà, c'est focus. Je te retrouve pour la deuxième série. Deuxième. J'ai pris 3 minutes de repos. J'ai toujours pas assez récupéré, c'est incroyable. J'ai pas assez récupéré. Après 3 minutes. Mais bon. On va se la faire quand même. Allez. C'est comme ça que ça marche. Fatigue ou pas. On la valide. Allez, est-ce que la deuxième là? Est-ce que la deuxième? C'est rien. Allez. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Je sais pas si c'est moi la fatigue, mais j'ai l'impression que j'ai compté 2 reps en une. Je suis pas sûr. Soit j'ai compté vite, soit j'ai fait 2 reps en une. Vu que j'en ai validé 2, j'ai pas le choix que d'en faire 3 ou 4 avec la même charge. Je pense que je vais m'arrêter à 3, je pense. Parce que là, je sens que j'ai mal quand même. Si je mets mon casque, je valide les 4 reps, tu vois. Je les valide sûr. Mais le problème, c'est que faut que je m'habitue à m'entraîner lourd, être fatigué, sans stimulant autre, sans musique, sans rien. Là, pas de pré-workout, il n'y a rien, tu vois. On va se reposer tranquillement et envoyer la troisième série à 50. Comme mon corps se refroidit vite, je suis parti faire des élévations latérales à 6 kg. Mais tu vois, en posant l'haltère, j'ai mon doigt là. Mon doigt, elle a tapé entre le fer et la barre, tu vois.
Ça me fait mal. J'ai mis un peu d'eau. Je sens que la douleur est gêne, tu vois. Après, ça va, ce doigt-là, c'est pas un doigt qui va être bénéfique pour le grip. Mais c'est gênant, tu vois. C'est gênant parce que j'aurais pas un grip excellent. Mais on va quand même valider ma rep. Parce que c'est important. Je suis fatigué. Mais on va utiliser la rage. Tu vois, c'est tout ce qui me reste. C'est tout ce qui me reste. Pas crier, mais. On va utiliser la rage quand même. Allez. 8. Fais ça bien. Allez. C'est rien. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, ça va. Quand j'utilise, enfin, quand je puise. Je peux faire encore une série, tu vois. Là, au vu de mon amplitude et mon tempo, je peux encore valider une série à 50, une série de 8, mais je vais pas le faire. Je vais prendre peut-être 30, 34 et faire du développé en prise neutre. Hey, je me suis vraiment fait mal hein, parce que là mon ongle il commence à être rouge un peu. On va coucher la séance quand même, c'est pas grave. Ça nous arrête pas ça. Bon là j'ai incliné le banc tranquillement. Je vais faire 4 fois 10 reps en développé couché neutre. Comme ça je serai bien. Je serai bien, je serai tranquille. Bon, on va essayer de faire 2 secondes de contraction vers le bas. Pour avoir un bon ressenti au niveau des pecs et bien les exploser. Moi, tu vois, les pecs, c'est vraiment quand j'ai lâché le développé couché barre que j'ai commencé à voir le changement, vraiment. Allez. Une, deux. 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 Ok. On est bien. Mon dos, je me suis fait mal, il commence à me faire chier un peu, mais peine raison. On va prendre 2 minutes de repos et repartir tranquillement. Allez, c'est parti. Ok. On y va. Une. Une. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Je sais plus, je crois combien, je crois, je suis à 5. Une, deux, six. Une, deux, sept. Une, deux, huit. Une, deux, neuf. Une, deux. Là, je vais remettre le banc droit. Parce que ça tire un peu sur l'avant des épaules. En fait, c'est ça. Les pecs, plus t'inclines le banc, plus l'avant des épaules, elle va être cible. Si t'es comme moi, t'as des bonnes épaules, faut faire attention à ça. Avoir des bonnes épaules et handicapant pour les pecs, comme avoir des bons bras et handicapant pour le dos.
Malheureusement. Faut juste user de certaines techniques. C'est pour ça, les gars, je dis, on est tous différents. On a tous des points forts et des points faibles différents. Et quand on les a bien déterminés, et ben on adapte notre sens de travail pour qu'on progresse intelligemment. Ça, c'est important. Allez, c'est parti. Troisième série. Petit rappel, on a mis le banc droit. Pour moi, sentir l'avant des épaules. Allez. 1, 2. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 1, 2, 7. 1, 2, 8. 1, 2, 9. 1, 2, 10. Ouf. Je suis dedans là, je suis dans ma séance. Vraiment, dernière. Faire ça bien. Je vais essayer de faire ma rep de base. Et après j'envoie 10 reps normales. C'est 30, c'est lourd, c'est la dernière séance. C'est juste parce que là je suis focus, tu vois. Si j'arrive pas. Mais au moins, on va essayer. C'est parti. 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 1, 2, 7. 1, 2, 8. 1, 2, 9. 1, 2, 10. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tu vois ça? C'est des choses que je vais te mettre dans ton programme. Si tu prends des programmes avec moi, tu vas en manger. Hein. Si tu veux des résultats, tu vas en manger. On en fait dans mes programmes gratuits. Mais si je te mets ça, c'est vraiment que, voilà, il y a des choses à faire, tu vois. C'est important. On est bon pour ça. On va rester sur notre banc tranquillement. Je vais faire l'écarté couché. Incliné. Et je pense que niveau pec, on sera bon. On a mis l'intensité qu'on a mis au début de séance. Avec le DC plus le DC lourd plus le neutre, là écarté couché, on est bon. En fait, mais sans spec de base, elles sont rapides. Là, elle est encore plus rapide parce que je fais tout sur le banc, toutes aux haltères. Tout ce qui est machine guidée et tout, je peux pas le faire parce que je sens rien, tu vois, j'ai aucune sensation. Ça peut être bien en fin de séance et tout, mais là, moi, dans mon cadre d'entraînement. Je le fais pas, ok? Et tout ce qui est vis-à-vis et tout, c'est des très bons exercices. Mais s'il faut se battre avec les gens pour avoir son vis-à-vis, ça sert à rien. Clairement, ça sert à rien, j'ai pas envie. Donc, écarté, incliné. Pareil, hein. 12 reps, 2 secondes vers le bas, et on y va. 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. Allez. 1, 2, 6. 1, 2, 7. 1, 2, 8. 1, 2, 9. 1, 2, 10. 1, 2, 11. 1, 2, 12. Ok. J'ai pris 14 kilos. C'est pas très lourd. Pour ce mouvement, mais pour moi c'est efficace parce que si je mets plus lourd, en fait mon avant de l'épaule droit, je vais le sentir vraiment. Donc pour moi c'est la charge parfaite. Et en plus de ça, comme je mets 2 secondes de contraction vers le bas,
et ben ça me fait du bien, tu vois. Faut vraiment t'essayer ça si t'as jamais fait. Il y a certains exos, quand tu mets 2 secondes, hop, vers le bas en repos et tu reprends, c'est trop. C'est vraiment trop. Il y a certains exos, la contraction, elle est mieux de la faire d'un certain angle. Par exemple, pour l'écarté couché, je préfère la faire en bas que la faire en haut. Quand je la fais en haut, ça me fait une espèce de gainage avant-bras, biceps, tout ça, et c'est pas bon, tu vois. Je préfère avoir le pec étiré quand je fais mes 2 secondes de contraction. Je préfère largement faire ça. Après, c'est une question de ressenti. Vraiment. On y va. C'est parti, temps de repos plus rapide parce que là, c'est des charges légères. 1, 2, 1. 1, 2, 2. Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. Allez, comment? 1, 2, 6. Oh, il y a un coach qui est passé pour voir ce que je fais. 1, 2, 7. 1, 2, 8. Allez. 1, 2, 9. 1, 2, 10. 1, 2, 11. 1, 2, 12. Ok, parfait. Il est bien. En fait, tu vois, les gens ici sont curieux de ouf. Ils regardent ce que tu fais. Ils bloquent devant la caméra. Et là, les gars, faut investir, les gars. C'est important. Et ici, les gens, ils maîtrisent pas leur charge. Dès qu'on exercice, ils lâchent sur des machines guidées. Ils vont casser les machines. C'est pas bon de faire ça. C'est pas bon. Ici, il doit y avoir des messages comme Fitness Park. Des messages de prévention. Contrôle tes charges. Ne lâche pas les machines guidées. Parce qu'après, tu casses tes poulies, tu vois. C'est pas bon. C'est pas bon. Toujours contrôler ses charges. Tu peux te blesser comme ça en plus. Tu peux te blesser. Contrôle tes charges du début à la fin. Même le contrôle à la fin, ça te rajoute une tension supplémentaire à ton muscle, tu vois. Ça, c'est bien. Faut pas lâcher bêtement les poids là, c'est pas bon. Vas-y, on va repartir. Hein. Je vais en faire que 3 là. Que 3. Après, on passe aux épaules. On y va. 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. Allez. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 1, 2, 7. 1, 2, 8. 1, 2, 9. 1, 2, 10. 1, 2, 11. 1, 2, 12. Ok, on est bien. Au niveau des programmes que je proposais, il y aura 2 formules. J'en ai parlé avec mon grand frère. Mon grand frère, il est coach sportif diplômé, tu vois. Il y a certains programmes, je vais les faire avec lui. Il va superviser pour vos séances. Mais en grande partie, ça va être moi qui va choisir les exercices. Et il y aura des plans alimentaires aussi. D'accord? Donc si tu veux programme de muscu plus plan alimentaire, tu seras réglé. Sachant que le plan alimentaire, c'est lui qui va le faire. Ok? Moi, je pourrais regarder 2-3 trucs, mais le plan alimentaire, c'est lui qui va le faire. Il a plus de compétences en moi. Et moi, je préfère rester dans ce que je suis bon. Tu vois? Vraiment. Donc vraiment, j'espère que tu as kiffé. J'ai hâte de voir les premières personnes que je vais suivre et que je vais martyriser. Sachant que j'ai un objectif vraiment à long terme. Bah, j'ai long terme, mais pour moi, c'est court terme. Faut juste que les vues, ils augmentent un peu plus. Histoire que la YouTube monnaie paye un peu plus. C'est à terme faire une séance avec toi, tu vois. Pas te coacher, parce que j'ai pas le droit. Mais faire une séance avec toi. En te poussant jusqu'au bout, tu vois. C'est ce qu'il faut. J'ai envie de le faire, tu vois. Donc, je me prépare bien. Et ça va bien se passer pour ça.
Bon bah, on va attaquer les épaules, c'est parti. Voilà, je me suis calé sur le banc tranquillement. Je vais retirer mon haut. Puis voilà, on va bosser les épaules. Essayer de faire du militaire assis. J'aime bien cet exo. Il permet d'avoir une bonne tension avec tes lombaires et un bon contrôle, tu vois. Parce que comme tu es assis et t'as rien derrière toi, bah tu gaines bien, tu vois. Tu restes bien droit. Et c'est un travail de gainage et de force que j'apprécie beaucoup. Et ça va me servir pour mon sport, tu vois. Running back, foot US. Ça va me servir. On va se faire quelques reps à vide, enfin quelques séries à vide avant. Et après on va mettre des poids. Hein. Je pense que je vais pas mettre trop lourd, tu vois, histoire de pas me faire mal. Parce que ça peut taper sur l'avant des épaules. Et puis c'est parti. Vas-y, on va retirer le t-shirt là. Normalement, on a une bonne condition là. Casquette, tu es obligé de la mettre à l'envers. Parce que sinon la barre elle va taper là. La casquette, le micro, j'espère que je ne vais pas faire trop de bruit. Je le mets là, au côté de ma tête, puis c'est parti. 20 reps. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, on est bien. Je vais mettre deux poids de 10, largement suffisant. Puis voilà. Ce qui est chiant, c'est que les poids de 10, je vais devoir les chercher dans toute la salle. Ah, c'est emmerdant ici. Bon, on se retrouve quand j'ai chargé la barre là. Hop, je pense pas que je vais monter plus haut. 10, c'est bien. Avant, je mettais 100 avant, mais debout. 100 kilos debout. J'étais un monstre avant. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, 8, c'est bon. 8, c'est suffisant, les gars. 8, c'est largement suffisant. Vraiment. Là, comme tu vois, là. Attends. Je me regarde sur mon retour caméra. Épaules, biceps, triceps, avant-bras. C'est incroyable. Et encore une fois, ce que tu vois, c'est le bras gauche. Le bras droit, il est encore plus gros, tu vois. Là, je suis vraiment bien. On est vraiment au prime, on va dire, de mon physique en termes de prise de masse pure, tu vois. Quand on va commencer à découper, manger équilibré, on va être mieux. On va être beaucoup mieux encore. Mais là, je suis au prime. C'est là où je me sens le mieux, c'est là où je suis moins fatigué, c'est là où je me blesse le moins, où j'ai le plus d'énergie. Mais c'est bien là, franchement c'est bien. En plus, je commence à recourir un peu sur le tapis et tout. Si comme ça je cours vite, et je reste comme ça. Sinon, on va essayer de cutter un peu, affiner ce qu'on a affiné, et puis c'est parti. Parce qu'encore une fois, mon objectif c'est d'être performant sur mon poste. On n'a pas d'objectif physique et tout. Enfin, on reste beau, on reste performant. Mais mon objectif, mon but là, c'est de tout tuer sur mon poste de running back, être le meilleur running back de mon équipe. Je le serai. C'est juste une question de temps, une question de confiance avec les coachs et tout. Mais je le serai, clairement. 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, franchement, son exo il fait mal. Hein. Il fait mal, mais ça fait du bien. J'aime bien changer un peu dans mes routines,
d'entraînement. J'aime bien. J'aime beaucoup. Là, là, faut que je fasse un peu plus de programmes pour ma chaîne secondaire. Je vois si je peux en faire ici. Des programmes où on peut parler, on peut échanger. Et en même temps, on s'entraîne ensemble. Même si que là, en vrai, là, on peut s'entraîner ensemble dans ces programmes-là. On n'a pas vraiment de temps de repos. On n'a pas vraiment de gros tempo parce que je mets pas tout. Mais je vais essayer de faire des programmes immersion sur ma chaîne secondaire où on peut vraiment s'entraîner ensemble. Je vais essayer. Parce que ce que j'avais fait, c'était des entraînements où voilà, je monte des mouvements, je mets de la musique et tout. Mais je vais essayer de créer une immersion cool. Il m'en reste encore une. Je vais te faire les triceps. Je vais te faire les triceps en lourd. Il faut juste que je regarde l'heure parce que 15h16. Faut que je parte pour 18h. Enfin, faut que je parte de chez moi pour 18h, tu vois. Ça veut dire 16h, faut que je fasse la séance pour moi. Je fasse la séance, je fasse à manger en fast. Et go to gym, enfin go to training QS. Allez, c'est parti, fais ça bien. Mal. Vraiment, c'est incroyable quand ça fait mal. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais j'aime bien. Oh, j'aime bien, les gars, j'aime bien. Je suis content. Tu vois, quand tu arrives à ce stade-là de l'entraînement où t'aimes avoir mal, c'est que tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie, clairement. Moi, j'aime ça. Je kiffe. Je décharge la barre. Il me semble qu'il y a des barres à gyps que je peux mettre sur ça. Si c'est le cas, on va taper des gyps ici. Allez. Oh les gars, je suis désolé pour l'angle. Hein. Je suis désolé. Hein. Mais là, il y a des gens qui se mettent juste à côté de moi pour travailler. Il commence à avoir un peu plus de monde à la salle. J'ai des angles beaucoup plus restreints. Je ne sais même pas si je vais rentrer dans le cadre. On va essayer de faire ça bien. Je vais mettre ça là. Mon retour, comme ça je me vois. Hop. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Juste retirer cette barre là qui me dérange. Mais ça va. On va se faire des 10 reps. Des 10 reps tranquillement. Et c'est bien se détruire et bien se faire mal. Et après c'est bon, on va rentrer. Hein. Parce que là, faut que je garde un peu de force pour le foot là. Sinon je serai rincé, après on va me dire ouais, tu peux pas courir et tout, je sais pas quoi. On verra. Là je garde un peu de force là. C'est important. Allez, c'est parti. Plutôt bien. On va faire encore deux, après c'est bon. Après c'est bon. S'il y a des femmes, elles tapent des tractions incroyables. Hein. Ouais, tu vois pas autre caméra, mais il y en a une, elle tape des tractions bien.
y a du niveau ici. Hein. Comme je l'ai dit, hein. Ici, les femmes, elles ont plus de niveau que les hommes. C'est un délire. C'est un délire. Pas plus de niveau que moi, mais plus de niveau que tous les hommes que tu vois là. Et dans la salle, il y a plus de femmes qui s'entraînent bien que de mecs qui s'entraînent. Tu vois? Les mecs ici, ils sont au café. Ils sont là, ils sont entre eux, ils parlent, ils discutent. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Normalement, tu viens ici, tu t'entraînes. Ou alors tu viens avec un bro. Vous parlez, vous rigolez, mais quand vous entraînez, vous vous entraînez sérieusement. C'est ce que je faisais, moi, avec mon gars Jojo. Mais là, ici, là, les gens, ils viennent, c'est un café, ils rigolent. Ils se font des défis à la con et ils rentrent chez eux, tu vois. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Allez. C'est parti. Oh, ça bouge, ça. On va se faire une dernière. Après, on va bouger. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ok. Bon. C'était une petite séance. Petite séance immersion. J'espère que t'as kiffé. Séance validée. C'est une séance qui ressemble à ce que je fais dans la semaine. Enfin, là on est dans la semaine. Mais c'est une séance qui ressemble à ce que je fais quand il est 18h, 19h. Je fais une séance rapide, je me fais mal, je mets de l'intensité. Comme ça au moins c'est fait. Et après je rentre chez moi, je suis bien. Sauf que quand j'ai pas entraînement de foot US, j'essaye de bien me rincer, tu vois. Soit avec un échec au biceps ou un échec au triceps. Genre la poulie, je fais 100 reps ou 200 reps. Comme ça, je me mets bien et je suis bien. Je suis tranquille. Là, je peux pas le faire. J'ai foutu ça après. Je peux pas me permettre de me faire des échecs. Mais en tout cas, on a fait les choses bien. Et si t'aimes ce contenu, si t'aimes bien les immersions, fais-le moi savoir, c'est important. Ok. Un petit j'aime, un petit commentaire. On n'est pas encore des gros youtubeurs. On est obligé de demander ça, tu vois. Donc, un petit j'aime, un petit commentaire. Ça donne la force. Abonne-toi aussi, c'est pas fait. Chaîne principale, chaîne secondaire, c'est important. Et puis moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.